définitivement foutu. Je vais être disqualifié par le WSRC pour effectivement avoir été aidé et avoir eu une assistance extérieure. Il n'a pas l'air très à l'aise sur mon filet, le petit oiseau. Hein. C'est pas un petit oiseau, hein. C'est un gros oiseau. C'est pas un petit oiseau. Bel oiseau, très très bel oiseau. Le problème c'est qu'il faut que j'en panne. J'ai peur que l'oiseau en question il prenne peur. Incroyable, jamais eu un si gros oiseau à bord. Si j'ai eu un albatros, mais pas sur le tour du monde. Voilà, c'était... séquence un peu Ushuaïa avec des oiseaux à bord. Aucune idée de ce que c'est comme oiseau. Je suis pas du tout ornithologue. Par contre, j'adore ça, les oiseaux. Je trouve que c'est vraiment les animaux toujours les plus gracieux. Celui-là ressemble pas du tout à un oiseau marin. Plutôt proche des négrettes garcettes ou des oiseaux plutôt de chez nous sur les marais. Et puis là, avec une huppette là, des grandes. Il est posé sur des grandes pattes, qui se plient à l'envers d'ailleurs. Drôle de rencontre. C'est pas toujours bon signe. Hein. Quand ils se posent comme ça, c'est qu'ils sont super fatigués. Je sais pas s'il va s'en sortir ou s'il va repartir. Je vais donner un poisson volant que j'ai trouvé et qui a pas l'air de l'attirer. Il doit pas être très près mon poisson. Pourtant sur des beaux c'est plutôt du rayon près. Hein. Puis j'ai donné des petits morceaux de pain pour le coup très bon et très près. Chez sur des beaux on n'a jamais laissé mourir personne. Hein. De faim. Ça pour le coup c'est un point d'honneur. Et je voulais en paner mais je vais attendre un petit peu du coup. Voilà, bah c'est la rencontre du matin. On est au large, juste à proximité de l'archipel des Açores et c'est sûrement pour ça qu'effectivement on a ce genre d'oiseau dans le coin. Voilà, encore une nouvelle surprise dans ce tour du monde qui n'en finit pas. Qui n'en finit pas. De surprise en surprise. A plus, celle-là était plutôt bonne.